Il y a des gens là-haut, là, ils sont en train de con-con, quoi, là. Que ça y fait du bien, mamie. Hein, fait chaud?
Qui ça qui est parti? Ah ouais? Tu le vois dans son écran? Ben, il va te rappeler. Peut-être qu'il est parti à table aussi, il est midi. Sa maman, elle a dit qu'elle était en train de faire à manger. Mais c'est pour ça que tu le harcèles là pour qu'il te dise au revoir. Il va te rappeler. Il va faire pipi, laisse-le. Tu vas aller manger, Henrik? Tu vas pas manger encore? Après? Ah, ben ça va, on est dimanche, hein. T'as pas envie d'aller aider ta maman pour faire à manger? Monte, mange. Chaud. C'est quoi ce bruit là? C'est quoi ce... Oui, bruh. À pic, hein? Oui, pique, hein? A few moments later. Aaron, tu veux quoi? Le pain. À l'heure là? Tu sais quelle heure il est? Ah ouais? Demain il y a école, tu veux quoi? Le pain. Le jus de pomme? Oui. On t'a dit qu'à l'heure là on boit le jus de pomme? Oui. Ta tête là. Hello les Frenchies. Je suis partie faire 2-3 courses. Je suis partie à Asia Market et à Auchan pour prendre 2-3 trucs. Alors, Asia Market, j'ai pris des feuilles d'algues comme ça parce que j'en ai plus et que les enfants adorent ça. Ils préfèrent ça aux chips, dites-vous. Donc ça, c'est super. Donc il y a 3 paquets de feuilles d'algues, mais c'est pas les mêmes. Genre ceux-là, il y en a 3 dans un paquet, comme ça, là. Alors que ceux-là, il y en a 8. Mais ils sont plus fins par rapport à ceux-là. Voilà, j'ai pris des petites nouilles comme ça, ce sont les préférées d'Aaron, les Migoreng. J'en ai pris, alors j'en ai pris combien? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pour Aaron. J'ai pris des chapaghettis comme ça, c'est des jajamen quoi. J'en ai pris 4, donc ça ce sont les préférés de Sephora. Voilà. Ensuite, j'ai pris ça. C'est-à-dire que ce sont les gros, enfin taille normale. Ce sont les gâteaux de riz, les tocs. C'est pour faire des tteokbokki. Donc je vais faire une vidéo tteokbokki aujourd'hui. J'ai pris de la pâte de piment et de la poudre de piment exprès pour faire la sauce pour les tteokbokki. J'ai pris des faux comme ça là au bœuf. J'en ai pris 2 je crois. Comme ça. J'ai pris du bread. C'est pour faire un sauté de soit de porc, soit de poulet chez moi encore. C'est du bread. C'est super bon. J'ai pris mes nouilles préférées. Comme ça, les piquantes, comme ça, là. Ensuite, je suis tombée sur ça. Je me suis dit, oh, j'ai jamais vu ça. Un Fanta à l'ananas. Pineapple. Pineapple, c'est ananas. Donc, un Fanta à l'ananas, je vais tester ça, on va voir. Et j'ai pris ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors, j'avais pris ça au début. Et ensuite, j'ai vu le Fanta. Donc, ça, c'est pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est un jus. Alors, grenade, litchi et fruits. Fruits de la passion. Donc, voilà. Et pour terminer.
Et pour terminer, Asia Market, j'ai repris deux paquets de mèches comme ça pour Sephora. Parce que la dernière fois que j'ai pris des mèches, j'ai dû les enlever au bout de 3 jours parce qu'elle avait des poux. Donc là, maintenant qu'elle n'a plus des poux, je vais pouvoir lui faire ses mèches. J'ai pris à Auchan de la mozzarella. De la mozzarella comme ça en fossette. J'en ai pris deux. Alors il y a un paquet que je vais utiliser pour manger avec mes tteokbokki. Et j'ai un autre paquet que je vais utiliser à part pour les enfants. Et pour les tteokbokki, bien sûr, je n'avais plus d'œufs. Du coup, j'ai pris un paquet avec 12 œufs. Et du coup, voilà quoi. C'est super. Je crois que c'est 12, hein. Il y en a 12 dedans, non? Même pas, il y en a 18. Donc voilà. Il y a 18 œufs là-dedans. 18 œufs. Voilà. Hello les Frenchies. Alors non mais je suis choquée. Quand c'était Halloween en fait avec les enfants, on est parti un peu partout dans l'immeuble. Et au 13e étage, j'ai parlé avec une dame qui était très gentille. Elle avait une petite fille qui a 14 ans. Elle a toujours sa fille de 14 ans. Et en papotant avec elle, bah, je lui ai dit que j'étais au 7e étage et que si elle avait un problème ou quoi que ce soit, elle pouvait venir me voir. Bella, elle s'est rappelée de moi et elle m'a ramené. Oh, regardez-moi ça. Des manteaux comme ça là. Pour Sephora. Ils sont trop beaux. Ils sont encore nickel. Ils sont nickel. Bah parce qu'elle a vu Sephora pour Halloween et sa fille a 14 ans, Sephora met du 10-12 ans. Donc elle s'est rappelée de ça quoi. Enfin, elle a vu Sephora, elle a vu la carrure. Non mais regarde ça. Un manteau comme ça bien rembourré. Un autre manteau comme ça là. Celui-là c'est du 10 ans. Non mais je suis choquée. Regarde comment ils sont bien. Sephora. Elle est venue nous les remettre en main propre. Elle est venue, elle a sonné là, il y a même pas 5 minutes là. Le rouge, là, il est trop beau. Regarde-moi ça. Des trucs qui sont en bonne qualité comme ça là. Regarde-moi ça. Elle avec des poches et tout. Elle a pas hésité avec une autre personne, elle est venue directement. Une super bonne qualité. Les trucs, ils sont super bien gardés. Sephora, t'as intérêt à bien les chérir, ces manteaux qu'on t'a donnés là. Ouais, je te jure que je vais faire ça là. Et regarde, encore un dernier manteau. Celui-là, il sera plus long, donc il va bien te couvrir cet hiver. Regarde. Il va bien sur quoi? Il va bien te couvrir. Ouais. Oh non, mais les gens, je vous adore. Je vous adore tous, les gens, je vous adore. Non, mais regarde-moi ça. Bien porté encore, bien machin. Hein. Pas cassé, pas de problème, en fait. Pas déchiré ici, comme le mien, là. Bah, toi, je sais pas comment t'as craqué, c'est fort, en fait, son dernier manteau. Elle a craqué, là. Au niveau de la main, je sais pas comment elle fait pour. J'ai dû être en train de jouer au papa à la maman, on était en train de faire semblant d'envie. En fait, à chaque fois qu'on joue au papa à la maman, en fait, on joue. En fait, le papa et la maman, ils battent trop l'enfant. Et du coup, en fait, ils nous tirent un peu. Et bah, en faisant ça, bah, c'est vrai que tu joues pas comme ça au papa à la maman hein, à l'école. Hein. Là, c'est vrai, son manteau, ici, il est complètement craqué. Bon, elle a un autre manteau que son père lui a acheté. Et j'ai encore plein d'autres manteaux. Et là, du coup, bah, t'as plein d'autres manteaux. Non, mais les gens, je vous adore. Du coup, je vous adore. 3, 4, 5. Oh, tu vas les essayer, on va faire un défilé. Hein. J'en ai 9 des manteaux en tout avec les autres. C'est trop classe. Franchement, je vous adore les gens. Je vous adore. On va faire un défilé, Sephora va les essayer. Et puis elle va vous montrer. Et bien franchement, il est bien. C'est bien. Les poches devant en haut et il y a les poches en bas. Oh elles sont bien grandes et c'est confortable. Vas-y. Et il est bien celui-là aussi. Pomme de renette et pomme d'api, tapi, tapi rouge. Pomme de renette et pomme d'api. Alors t'es au chaud dedans ou pas? Il y a de la doudoune dedans aussi. Bah en même temps c'est de la doudoune. C'est de la texture doudoune. Ça se voit que c'est de la doudoune. Celui-là c'est mon préféré. Vas-y tourne-toi. Il est swag. T'avais un même manteau comme ça quand t'étais plus jeune? Si t'avais exactement le même quand t'étais plus petite. Je t'avais pris exactement le même. Je l'ai déchiré. Bah t'as grandi. Ah bah oui. Et ce qui est bien, c'est que tu peux ouvrir sur les côtés ou les fermer. Ah bah oui, attends. Oh my god. Et les côtés aussi. Si t'as envie que ce soit un truc trop beau en mode... Ah c'est ouvert en mode je suis trop belle. Ouais, vas-y mets la capuche pour voir. Ok, mets tes mains dans tes poches pour voir. Ils sont profonds en vrai. Hein. C'est bien. Mes doigts, ils mangent. Lui qui l'a mis au lit. Vas-y, tourne.
ça va, franchement. Ça fait serré, serré. Ça fait pile poil ton âge, quoi. Ouais. Ton âge, ça fait ça. 8 ans, ça fait ça. Normalement, je devrais être comme ça tout le temps. Bah oui, non, t'es manteau à 8 ans. Là, c'est une veste spéciale 8 ans. T'as 8 ans. Ok, now. Hello, les Frenchies. J'ai été faire quelques courses aujourd'hui. Encore. On dirait que je fais que ça, mais non, je fais pas que ça. J'ai été prendre de la gelée pour mon chat. Parce qu'elle est officiellement déjà adulte. Donc voilà. De la litière. Parce que ça va bientôt faire un mois, donc je prévois. Pain. Je sais pas, j'ai envie de manger du pain tout à l'heure, donc j'ai pris du pain. Des popcorn, parce qu'Aaron kiffe ça. On peut parler d'Aaron. Et voilà, qui sera plus cool. J'ai pris des chips comme ça, parce que c'est vrai, Aaron kiffe ça. Un jus pina colada. On va voir ce que ça donne. Hein. Je sais pas si j'ai déjà testé celui-là. J'en ai testé plusieurs, mais je sais pas si... C'est sans alcool. Un coca. Voilà. Un jus pomme kiwi comme ça. Parce que c'est super bon tout simplement. Parce que je vais faire avec du bread. Et pour terminer, j'ai pris du liquide de refroidissement pour ma voiture. Alors en vrai, quand j'ai fait ces courses là à la caisse, mon gars, tu sais pas ce qui est arrivé. J'étais à la caisse et puis la dame de la caisse d'à côté est en train de payer normal. Et puis moi j'étais en train de sortir ma carte de fidélité. Et je sais pas, mon regard a été attiré vers le sol. Donc j'ai regardé le sol derrière la dame. Il y avait un billet de 20 et un billet de 10 pliés. Il y en avait un par terre de ce côté-là, il y en avait l'autre qui était comme ça ici. Alors j'ai regardé et j'ai appelé ma caissière et j'ai dit mais regardez, il y a quelqu'un qui a perdu 20 euros et 10 euros, donc ça fait 30 euros. Il y a quelqu'un qui a perdu deux billets là. Alors j'ai demandé à la dame qui était à la caisse d'à côté. Elle m'a dit non, c'est pas à moi, la caissière d'à côté. Non, mais je pense savoir à qui c'est. La dame, elle a sorti son téléphone de sa poche. Elle a sorti son téléphone de sa poche et elle a dû faire tomber ses billets. Donc bah, j'ai pris les billets, j'ai dit à Sephora ramasse les billets, elle a ramassé et puis j'ai donné à ma caissière. Parce que oui, il faut faire ce genre de choses. Quand l'argent n'est pas à toi, tu ne le prends pas. C'est tout simplement ça. C'est tout simple. C'est la règle d'or. Si l'argent n'est pas à toi, tu n'as pas travaillé pour cet argent, tu ne le prends pas. Ce n'est pas à toi. La personne qui l'a perdu va peut-être le retrouver ou pas. Mais en tout cas, tu ne sais pas si cette personne est dans le besoin ou pas. Donc moi, c'est toujours la règle d'or. Ce qui n'est pas à toi, tu ne le prends pas. Voilà. Un petit peu lourd. Pas mauvais. Ça, y a pas ça au champ. Ou alors j'ai mal regardé. Allez. Mercredi, il est 14h déjà, 14h04. J'ai la tête qui tourne, je suis malade, c'est pour choper une maladie quelque part dehors là-bas. Ouais, et Aaron, elle nous a contaminés. Du coup, Aaron et moi, on est malades. Et comme j'ai la tête qui tourne, j'ai pas envie de faire à manger. Donc voilà, j'ai commandé Pizza Hut là, comme vous pouvez voir, j'ai pris... Ne remets pas dedans, Aaron, hein. Tu remets pas dedans. Et j'ai pris... Là... J'ai pris épicé comme ça, là. Donc Aaron il en aura pas du coup, à part s'il arrive à supporter. Voilà. Alors ça m'a fait 25,40€ parce que j'ai demandé une pepperoni lover avec du fromage dans la croûte, c'est-à-dire une cheesy crust. Voilà, bah c'est ça. Hein. Nous avons un Orangina et un Oasis. Et bien sûr, nous allons utiliser le coca que j'ai acheté un peu plus tôt. Tu veux une part? Tiens là. Tu veux que j'enlève? Attends, j'enlève. Aaron il aime les pizzas mais il aime pas quand il y a les trucs dessus là, les pepperoni. Il aime pas les garnitures en tout cas. Toutes les garnitures il les aime pas. C'est même pas qu'il a essayé, c'est qu'il en veut pas. Il veut le fromage et la sauce. Tiens. Miam miam. Tu veux le jus d'abord? On dit s'il te plaît. Wow. Ouais. Et je savais pas. T'as vu le fromage dedans? Oui, c'est pas un truc à cracher, j'étais dessus.
Elle a craché ça. Qu'est-ce que tu fais là, mon gars? T'es rouge là? Bah oui, il avait le feu vert, le feu rouge lui. C'est encore là, la boîte de 6 là. C'est la France, hein. Là ça va. Moi j'étais pas trop énervée. Hein. Ouais, c'est surtout que le médecin, ça faisait longtemps qu'il nous attendait, qu'on était parti à 22h, pour un rendez-vous à 22h30 et 22h40. Le prochain coup? Ouais. Ok. Dès que tu entends quelqu'un klaxonner à côté de nous, par là, tu klaxonnes, d'accord? J'ai été prendre. J'ai été prendre ça. Je vais manger un de chaque ce matin, mais je sais pas si tout va rester dans mon corps. J'ai pris des nouilles. Oh. J'ai pris tout ça là, mais je sais même pas si ça va rester dans mon corps. J'ai pris du maïs. Parce que le maïs qu'il y avait qui était frais là-bas à Carrefour, il était pourri, il y avait plein de moisissures. Du coup, j'ai préféré prendre un sous vide. J'ai pris ça, je vais faire ma sauce bière au beurre, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc sauce bière au beurre. Je vais faire un seafood dans pas longtemps. Des pommes de terre pour mon seafood boil. Et pour terminer, des marrons parce que je vais les mettre au four. D'abord je vais les entailler, ensuite je vais les mettre au four et ça va me faire des marrons chauds. Monsieur, un technicien, qui va venir me changer ma fenêtre. Alors c'était un rendez-vous qui était prévu depuis un moment déjà. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Vous voyez ma fenêtre là? C'est la fenêtre que l'ancien locataire avait. Elle est complètement vieille, pourrie, usée de chez usée. Donc il y a un technicien qui va venir tout à l'heure et qui va m'installer ma nouvelle fenêtre. Il arrive dans une heure. Donc je vais retirer tous les meubles là et je vais les pousser. Ils ont posé la nouvelle fenêtre là, avec les nouveaux volets là. On n'entend plus rien. Avant, quand je faisais les vidéos ici, on entendait tout. Et là on n'entend plus rien. Waouh. Et il y a sécurité enfant. Donc c'est parfait. Bon, maintenant je vais remettre les meubles. Je vais remettre mes meubles là en place sous la fenêtre. Si les marrons là sont bons, quoi de mieux que de l'eau? J'ai mis de l'eau là dedans. Si ça flotte, c'est que c'est pas bon, il faut le jeter. Et si ça coule, c'est que c'est un bon marron. Il coule. Coule. Après chauffer à 200. Et là maintenant j'entaille mes marrons comme ça là. Les entaillades, les marrons avec l'ouverture vers le haut. Donc maintenant je vais aller les enfourner et je vous montre le résultat dès que c'est cuit. Je vais les mettre au four à 200 degrés pendant 15 à 20 minutes. Voilà. Sa mère.
Hello les Frenchies, alors je sors de mon rendez-vous avec le dentiste. Il m'a fait un détartrage complet. Nickel. Maintenant j'ai pris un autre rendez-vous pour la pose d'un bridge pour remplacer le trou qu'il m'a fait. Donc on va faire un bridge. Wow. Hein? Tu vas comme ça? Attrape un. On prend un comme ça et un comme ça. Tiens, attrape d'abord pour moi. Hein? Tiens, attrape ça pour moi. On va payer. Allez, reste là. Après, il y a quoi d'autre? Waouh! C'est quoi? C'est par enfant? Il y a les noms sur chaque truc ou pas? Oui, il y a les noms. Et Sullivan, là il y a... Faut chercher. T'as la fin comme ça, non? Non. Non? Toi, tu l'as pas fait? C'est pas pour toi, c'est pas pour toi. C'est où? Allons-y, on va faire devant. Ouais. T'en as fait? Wow. Bonne chance. Ah, viens. Ça fait quoi? J'ai fait un kit chocolat, un truc comme ça. Ça fait quel? Il y a le sur les étiquettes, on va prendre après. On va prendre après. C'est trop beau. Moi, je trouve pas le mien pour le sol. Hein? Ça commence? Hey les Frenchies, je viens de rentrer de l'école de Sephora et Darren là. Et en vrai, j'ai fait une vidéo aujourd'hui. Je devais la poster ce soir, mais je suis trop fatiguée. Donc aujourd'hui vendredi, désolé si je peux pas poster de vidéo, c'est parce que j'étais à la fête de Noël des enfants. D'ailleurs, à la fête de Noël, Sephora fait cette petite bombe de chocolat avec des petites guimauves en haut. Je sais pas si vous arrivez à voir. Donc ça, c'était 2,50€. Et voilà quoi, on l'a acheté. C'est trop mignon. Ces petites sucettes là, c'est pas des sucettes, c'est des chocolats en fait. Des chocolats avec des guimauves. Et là c'est chocolat avec des pépites de je sais pas quoi. Ça c'était 50 centimes le chocolat. Je sais pas si t'arrives à voir. Là comme ça. Et celui là 50 centimes la sucette. Et en dernier, Aaron était parti dans un potager avec sa classe. Et la boîte de légumes était à 5€. Du coup, j'ai commandé quoi. Voilà, il y a légumes dedans. Donc je pense qu'on va faire une soupe. Il y a même une recette là apparemment. Alors on va faire une soupe. Il y a des patates douces, des carottes, des poireaux, des pommes de terre et plein d'autres choses. Donc on va faire une soupe avec ça ou un ragoût. Et puis voilà. Et voilà. Oui. Que je regarde ça. C'est top, hein. C'est bien ce qu'ils font avec les enfants. Oh. Recette de la soupe. On fait la soupe aux légumes avec les enfants de la classe. C'est trop cool. C'est trop classe. Waouh. Ben voilà, c'est tout.